Bonjour Jean-Marc Larcher. Bonjour Stéphane. Bonjour François Couturier. Bonjour Stéphane. Alors c'est, on peut dire, une vraie longue et passionnante complicité qui vous unit, puisque ça fait des années comme ça qu'on vous voit ensemble dans un grand nombre de projets communs, qu'il s'agisse du trio que vous avez longtemps formé avec Jean-Louis Matinier, et puis du Tarkovsky Quartet, avec lequel vous, au sein duquel vous avez enregistré beaucoup de disques pour ECM. La question que je me pose, c'est ce nouveau projet, ce nouveau quartet, même s'il se présente sous ton nom, Jean-Marc, est-ce que ça participe de ce même travail en commun? Est-ce que c'est la continuité de cette complicité? Je vais commencer, parce qu'après, ça sera plutôt pour Jean-Marc, puisque c'est lui qui... Mais à la base, c'était le but de ce projet, c'était de continuer un peu une collaboration, un peu en marge du Tarkovsky, justement, puisque on travaillait ensemble qu'avec le Tarkovsky. On a encore quelques concerts et on espère bien continuer, mais bon, c'est vrai qu'on ne joue pas énormément avec le Tarkovsky Quartet, donc on s'est dit pourquoi ne pas recollaborer ensemble. Et à la base, on devait travailler tous les deux, mais bon, il y a eu le confinement et moi j'étais très 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 feignant. Et Jean-Marc a travaillé beaucoup et a fait pas mal de morceaux. Et bien, petit à petit, bon, il s'est trouvé que c'était plutôt son quartet qu'un co-quartet, puisque en fait c'était lui qui faisait tous les morceaux. D'accord. Oui, et la configuration, enfin, je veux dire, l'orchestration, c'est donc toi qui l'as choisi. On l'a vraiment décidé ensemble. Oui, d'accord. Oui. Ça a été le fruit d'une longue réflexion, discussion. Et oui, on est tombé d'accord sur cette... Comment est-ce que ça a été? Alors, faites-nous rentrer dans cette discussion et dans cette... Déjà, l'instrumentation, c'était... Mm-hmm. C'est quoi faire, quoi. La musique, on avait une petite idée, puisque, bon, effectivement, ça fait bientôt... On a fait le calcul, justement, pour l'interview, ça va faire 30 ans, là, qu'on joue ensemble. D'accord. Moi, je disais 20, mais tu vois, j'avais oublié... C'est pas moins de 30. Et... Oui, donc on en a beaucoup discuté. Il y avait un instrument grave éventuellement, donc le violoncelle, mais bon, le violoncelle... C'était déjà génial. Voilà, c'est ça. On a pensé aussi clarinette basse à un moment. Enfin, moi, j'y tenais pas plus que ça. J'avais pensé un cuivre à un moment, et notamment un bugle. Trompettiste. Voilà, d'accord. Trompettiste, plutôt au bugle. Et puis, François avait vraiment... Moi, je travaille avec Régis depuis... Oui, depuis longtemps aussi. Et... l'instrument grave, on l'a parce qu'il joue son violon ténor. Et j'adore absolument cet instrument. Et le Gugus qui en joue, et pour plein de raisons. Et François avait très envie aussi de travailler. Il l'avait fait un peu, enfin, plus ponctuellement avec Régis. Et voilà, donc on est vite tombé d'accord. Et puis on en a parlé à Régis, évidemment. Il a adhéré tout de suite au projet. Et puis Michele, c'est François qui le connaissait plus que moi. Oui, tu as fait un quartet aussi pour ECM avec Maria Pia. C'est ça. C'était une musique de Pergolèse. Oui. C'est ça, c'est ça. Et bon. C'est là que tu l'avais rencontré. Oui, bien sûr. Et j'ai adoré tout de suite le personnage et son jeu. Et puis bon, on s'entendait très très bien. Et puis bon. Vous diriez que ce quartet s'inscrit donc dans une forme de continuité du Tarkovsky? Non, pas du tout. Jean-Marc, qui a assumé un peu la partie musicale, le Tarkovsky, il existe toujours, et peut-être qu'on en refera un autre CD, j'espère, mais pas tout de suite. C'est absolument pas la continuité, c'est une autre façon de collaborer ensemble, en fait. C'est une question d'amitié musicale et humaine aussi. En quoi ça se différencie? Parce que justement, il y a l'introduction des percussions qui oriente dans une autre ambiance. Ouais. Différente. Et puis, enfin, l'instrumentation, en même temps, le violon, malgré tout, ça, on peut dire que ça reste dans une esthétique de jazz de chambre, potentiellement. Voilà. Sauf que là, il y a quand même l'électronique. Ouais. Donc on est de toute façon dépendant de la sonorisation. Donc là, ce ne sera pas un groupe acoustique. D'accord. Contrairement au Tarkovsky Quartet, qui lui gagne à jouer plutôt vraiment acoustique. Et puis, bon, le propos, justement, Tarkovsky Quartet, c'est Tarkovsky, quoi. Donc, Tarkovsky, c'est déjà un univers en soi, c'est une direction. Là, on n'a pas forcément cette direction. Alors, après, évidemment, on ne peut pas faire comme si on n'avait jamais enregistré avec le Tarkovsky Quartet. Donc, il y a forcément des choses qui rejaillissent, des réflexes, mais voilà,
Le propos, il est différent esthétiquement. Bon, et c'est vrai que c'était François Tarkovski, c'est vraiment son initiative. C'est ton univers. Même si on collabore, c'est vrai que bon, j'ai quand même, on a beaucoup travaillé ensemble aussi. Oui, bon, c'est. Là, c'était le but. Jean-Marc m'a beaucoup aidé. On a travaillé beaucoup ensemble sur les morceaux. Le but de ce quartet, c'était d'établir une collaboration à peu près identique, ouais. Sauf que le Covid, voilà. Et puis on est à 500 km l'un de l'autre. Donc quand on pouvait faire 10 km chacun, il manquait encore 480 km pour se retrouver, donc pas facile. Tu présentes, sur le flyer du concert du Triton, tu présentes le programme comme étant conçu comme une sorte de rêverie autour de personnages imaginaires. Ouais. Tu peux nous en dire plus, quels sont ces personnages et en quoi ça a pu induire la forme des compositions ou leurs atmosphères? Alors, c'est venu presque après ça, parce que j'ai fait un premier morceau, puis un deuxième morceau. Alors, le premier, quand même, j'essayais de m'inspirer d'une musique que j'adore, d'une scène aussi que j'adore, c'est encore du cinéma, mais c'est Fellini et c'est Casanova, et c'est la scène où Casanova danse avec la poupée. Il y a une musique absolument magnifique de Nino Rota que j'aime beaucoup, et j'étais parti un peu de cette idée-là, et puis comme souvent, quand je travaille sur un embryon de choses, je le modifie, puis il évolue, puis à l'arrivée, ça n'a plus rien à voir, mais j'ai quand même appelé le morceau Casanova, parce que ça venait de là. Et puis comme il y avait plusieurs... Il y avait un morceau aussi où on utilisait, on l'avait appelé Glockenspiel au départ, parce que c'était avec des sons de Glockenspiel, c'est Michele qui le joue. Il y avait un petit côté féerique, je me suis dit, tiens, d'une façon involontaire, il y a un moment, je me suis dit, tiens, il y a un côté un peu féerique dans ces musiques. Et donc je suis allé voir un peu plus loin, et puis j'aime beaucoup Bartok, Barbe Bleue, donc je suis allé un peu piquer chez lui. Alors c'est pas le château de Barbe Bleue, c'est pas l'opéra, c'est le troisième concerto. Pour piano et orchestre, que j'adore. Donc voilà, il y a un morceau qui fait allusion à ça. Il y a une allusion très lointaine, quand même. Voilà, oui, c'est lointain, mais... mais les personnages, c'est Barbe Bleue, quoi. Voilà. Il y a Titan, à un moment. Alors Titan, c'est une symphonie, la première symphonie de Mahler. Donc j'ai repris juste les six notes de la mélodie. Donc c'est le lien, il n'est pas direct, mais ça peut donner à imaginer. Après, chacun en fait ce qu'il veut, hein. Moi, ça m'a guidé un peu. Par rapport à l'esthétique, il n'y avait plus Tarkovski, là. Donc, à un moment, je me suis dit, tiens, c'est ça. Oui, ça fait plus... oui, t'as raison, c'est plus féerique, c'est plus romantisme allemand. Voilà. C'est plus ces ambiances-là. En tout au moins, quand on lit les Kreisler. Oui, Kreisler avec Schumann. Voilà. Alors, ça, c'est un double hommage, parce que Kreisleriana, c'était pour Clara Schumann. Et c'est des pièces que ma femme, qui s'appelle Anne... et qui est pianiste et excellente pianiste, adore, et elle les a enregistrés d'ailleurs chez Abalon. Et donc ce morceau, c'est un hommage à Anne, qui elle-même a joué l'hommage à Clara de Robert. Et enfin voilà, c'est un peu... Donc il y a toute cette espèce de toutes ces références à la fois imaginaires et concrètes, en fait, qui sont dans la trame des compositions, qui orientent un peu dans... Alors, ça serait quoi? Une espèce de... Alors, il y a aussi, finalement, les personnages qui sont mis en avant, c'est d'une certaine manière des personnages de séducteurs. Alors, séducteurs entre le diable Casanova, Barbe Bleue... c'est... Le diable, alors là, il est arrivé un petit peu par effraction, j'ai envie de dire. Le titre, c'est un morceau qui s'appelle Les narines du diable. Ça fait toujours rire François. C'est vrai, encore. Ouais, c'est un lieu. J'aime bien associer aussi des fois les morceaux à des lieux que j'aime bien dans ma Franche-Comté natale. Et notamment, il y a un chemin qui longe un ruisseau qui s'appelle le Cusancin. C'est une petite vallée qui se. Comme il y a beaucoup de vallées d'eau vive que les pêcheurs à la truite connaissent bien. En Franche-Comté. Et donc, c'est tout près de chez moi, c'est un endroit que j'aime beaucoup, et dans un coude comme ça de la rivière, il y a une cavité avec deux... Enfin, comme une grotte avec deux cavités, c'est le lieu-dit, c'est les narines du diable. Voilà. Et je trouve ça... C'est beau, quoi. Et donc, voilà. Là, effectivement, le diable est vraiment arrivé par la bande. Là, c'est le j'avais le titre, j'avais le morceau, et voilà...
Mais de façon plus générale, donc cette façon que tu as eue de travailler à partir, en référence à des œuvres déjà existantes et à travers une sorte d'imaginaire qui est déjà présent, qui est celui d'autres, d'un artiste, d'autres artistes, pas forcément des musiciens, mais ça rejoint ce que vous avez travaillé ensemble sur Tarkovski. Et depuis même le trio, puisque le trio c'était que ça, hein. Le trio avec Jean-Louis, il était né d'un projet d'opéra. C'était l'anniversaire de la mort, c'était le bicentenaire de l'année, je sais plus d'ailleurs. De la mort de Mozart. Oui, c'est ça. Et donc on avait, ça s'était fait avec l'université de Bourgogne et Philippe Gumplovitch qui nous avait commandé une musique pour un spectacle qui a pris de l'ampleur, qui est devenu un opéra sur lequel on a beaucoup travaillé. Vraiment, c'est la première fois qu'on collaborait vraiment sur l'écriture. Et donc. C'était d'après un roman de Burgess qui mettait en situation plein de compositeurs au paradis avec Mozart, avec Beethoven, avec Wagner, avec et puis des discussions entre eux. Et donc nous on devait mettre en musique certains de ces textes. Donc on a convoqué Mozart, Beethoven, et c'est là un peu qu'on a commencé à faire ce genre de. Et tout le programme. C'était un projet gigantesque. Il y avait des comédiens, des chanteurs, un orchestre symphonique. Désormais, c'est beaucoup plus intime, beaucoup plus allusif. Mais il y avait le trio déjà. Voilà, c'est ça. Mais sur scène, il y avait Jean-Louis Matinier, moi et Jean-Marc. En fait. Et après, le trio s'est détaché du projet. Et puis, il a eu son autonomie. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu à cette époque-là qu'on a commencé à. Pillé, entre guillemets. Et puis bon, c'est aussi notre formation un peu à. Oui, qui c'est votre. Bah oui, moi j'ai une. Votre background. Enfin, ouais. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci, et on va. On a hâte, je crois, tous d'aller écouter cette conversation entre tous ces références imaginaires. En plus, ça sera vraiment la première. On ne l'a jamais joué nulle part. Et ensuite, les internautes auront donc l'occasion de le voir sur le site du Triton un peu plus tard. Merci beaucoup. Merci à toi.